Le quartier Mengo-Péage, situé à la périphérie de la ville de Pointe-Noire, est doté d'un réseau électrique de l'EKRC comparativement à d'autres quartiers périphériques. Deux habitants de ce quartier, en l'occurrence Brel Ngolo et Sandrine Ngelesi, reconnaissent l'importance du courant électrique. Pour moi, vraiment, ça me fait du bien, vraiment, quand je vois l'électricité dans notre quartier, ça me fait du bien. Et la première avantage, c'est vraiment la sécurité de mes enfants, parce qu'avant, quand tu partais au marché, tu retournes à la maison, il n'y a pas les enfants à la maison. Tu peux payer l'abonnement, vous utilisez la monnaie, après quelques mois, vous n'avez pas même pas utilisé votre abonnement, vous payez vos l'argent. Mais avec du courant, mes enfants ne sortent plus, restent à la maison. On utilise notre abonnement calmement maintenant. Là, vraiment, je remercie vraiment. Ça me fait plaisir parce que auparavant, il y avait des bandits dans les ruelles. Et bon, vu qu'on a le courant et les lampadaires, ça permet aux bandits de reculer, aller un peu plus loin. On avait des machines, mais on ne pouvait pas utiliser les machines en question parce que il n'y avait pas le courant. On utilisait le groupe, mais c'est coûteux le groupe. À tout moment, acheter les carburants, ça ne permettait pas. Donc voilà pourquoi on a dit le courant nous a permis d'exercer une activité qui nous permet aujourd'hui d'avoir un petit d'argent. Il convient de préciser qu'en dehors de l'alimentation des appareils de toute nature, l'électricité participe à la sécurité au moyen de l'éclairage public. En somme, l'énergie électrique est un facteur important de développement. Sans énergie électrique, pas de développement industriel.